Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Pentiment, un jeu développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Alors effectivement, en appuyant sur X, vous allez tomber sur vos quêtes, très important. Vous allez aussi apprendre à connaître votre personnage. La carte ici présente qui pourra d'ailleurs être activée directement avec la touche Y. Et les différentes personnes que vous allez rencontrer tout au long de votre aventure. Et si vous ne parlez pas le vieux français, eh bien ma foi, vous avez un glossaire qui peut être fort utile. Pour interagir avec les objets, appuyez sur A, effectivement, et ça va même vous permettre d'accélérer un peu le texte. Ici, parlez à notre chère amie Clara. Thank you.
Alors, ici, vous avez la possibilité de choisir trois endroits. Et sur les trois endroits, vous allez avoir des langues à votre, dans vos connaissances. Alors, bon, moi, étant originaire de Suisse, c'est vrai que Bâle est pas mal. mais je pense que l'italien et le grec vont grandement nous aider dans notre quête. Donc, je choisis l'Italie. Alors, le vaurien et les bagarres va pouvoir nous permettre d'effectivement débloquer un succès en lien avec le fait de casser le nez au médecin. Mais ça, nous n'allons pas le choisir dans notre première run, puisque ben, je ne sais pas si je vous l'apprends, mais il va falloir malheureusement faire deux sessions de gaming parce que vous avez plusieurs succès. L'un, être gentil avec la baie, l'autre, le contraire. Un, tout perdre dans une ville et l'autre, tout gagner dans une ville. Donc vous êtes dans l'obligation, quoi qu'il arrive, de faire deux sessions de game. Mais pour notre première session, on va plutôt être, être sympathique et mettre toutes les chances de notre côté. Donc pour ma part, je vais choisir Rat de bibliothèque. Ici, il faudra être sympathique avec Martin, vous comprendrez pourquoi. Alors, vous avez la possibilité d'aller directement dans un glossaire.
ici, il va être important d'être en bon terme avec le baron. Donc, soyez plutôt de son côté. Ici, il sera très important de choisir intelligemment, on va dire, le parcours universitaire que vous avez eu. Pour ma part, je vais quand même choisir médecine. Alors ici, vous aurez la possibilité de choisir deux parcours. Quant à moi, je vais choisir d'être logique. Être un excellent orateur, parce que vous allez voir que parfois ça va quand même nous être utile de savoir parler aux gens. Alors, comme vous le savez, nous devons obtenir une avance sur salaire. Donc, malheureusement, avec lui, on ne va pas y arriver. On tente quand même.
On va plutôt essayer de convaincre le frère Mathieu. Frère Mathieu se trouve dans l'église. C'est pour ça que orateur nous est utile, parce qu'on va pouvoir l'utiliser ici et donc avoir notre avance sur salaire. Une fois que vous l'avez obtenu, choisissez de le mettre sur la table ce soir. Et voilà. Sur la carte, on vous demande de rejoindre le scriptorium. Alors pour cela, passez par le vieux Bailey. Et rendez-vous au scriptorium. Dans le scriptorium, parlez un peu à tout le monde. Ici, choisissez de ne pas avoir tenu de propos déplacés. Et enfin, la dernière option.
Alors ici, vous allez pouvoir débloquer un succès. Donc suivez bien ce que je vais choisir. Étant donné que notre chère Illuminata est une femme, allez plutôt dans son sens. Ici, choisissez cette option-là. Et c'est ici que tout se joue. Attention. Le but est de faire en sorte de convaincre Illuminata de ne pas brûler le livre et de la convaincre de nous le laisser afin que nous puissions le cacher. Il faudra aussi être finaux et ne pas la froisser. Ici, choisissez qu'il est hors de question de le lui donner et dites-lui que vous allez le cacher. Choisissez trouver un compromis. Et normalement, vous avez réussi à obtenir
le livre en convainquant Illuminata. Ainsi donc, vous avez débloqué le succès. Retournez voir Illuminata afin d'obtenir des informations sur le baron. Profitez-en pour voir ce qui a été noté dans le livre. Allez dans le vieux Bailly. Rendez-vous dans la maison du prieur. Ici, vous allez trouver la Volvelle. Et ainsi, nous allons pouvoir obtenir le succès en lien avec la résolution de cette énigme. Donc, si vous regardez bien, effectivement, il va falloir tourner les roues des quatre éléments. Le premier symbole ici est dans l'élément de l'air, donc c'est parfait. Le deuxième élément est dans la terre, donc appuyez sur A. Le troisième élément, lui, est dans le feu, donc vous tournez la roue avec LT et RT. Le quatrième dans l'eau. Ici dans le feu. Celui-ci dans l'air. Ce M avec une petite courbette dans la terre. Ici de nouveau dans la terre. Et le M dans l'eau. Et vous avez obtenu votre succès. Évidemment que vous avez pu obtenir ce succès si vous avez choisi les mêmes compétences que moi. Si ce n'est pas le cas, essayez lors de votre deuxième game de choisir les mêmes compétences. Ou bien vous verrez en rentrant dans la bibliothèque par effraction
ou bien en discutant avec le fameux médecin qui s'y connaît en astrologie, eh bien, vous pourrez résoudre cette énigme-là. Bravo, donc vous avez obtenu votre succès pour avoir résolu cette énigme. Alors, on va se rendre au cimetière et vous verrez que la tombe est juste ici, mais que pour l'instant, nous ne pouvons rien faire. Nous allons en profiter avant de nous rendre au réfectoire. Nous allons nous rendre à l'église. Et à l'église, nous allons aller dans la crypte. Dans cette crypte, vous trouverez ce tableau. Cliquez sur la clé. Et vous avez obtenu le succès en lien avec l'ouverture du passage secret menant à la bibliothèque. Vous ne pouvez pas y rentrer actuellement parce que les nonnes sont encore présentes. Alors, rendez-vous dans le cloître. Avant de vous rendre dans le cloître, nous allons juste faire un petit détour vers le moulin. Et encore avant d'aller vers le moulin, nous avons succès en lien avec le fait de renifler 10 fleurs et de caresser 5 animaux. Donc ici, notre première fleur. Deuxième fleur. Troisième fleur. Montez au moulin. Au moulin, vous avez le premier animal à caresser. Parlez à notre chère Madame Else. Et parlez à Paul et vous obtenez aussi un succès en lien avec le fait de l'avoir convaincu de continuer à dessiner. Thank you.
voilà, succès obtenu. Les dessins se trouvent au niveau des runes romanes, si vous voulez les regarder, libre à vous. Alors, nous allons retourner vers l'abbaye. Avant de partir déjeuner, on va continuer avec nos fleurs. Donc nous avons dans la prairie senti trois fleurs. Ici, quatre. Cinq. Un autre animal à caresser. Sixième fleur. Ah non, pardon, cinquième fleur toujours. Et nous sommes bons. Vous pourrez rendre visite à la maison du prieuré pour parler avec la nonne Cécilia. Et juste évoquer le fait d'un début d'enquête. Nous allons pouvoir manger. Ici, parler à Martin. Qu'avez-vous contre moi ? Proposez-lui de vous rejoindre pour le souper, même s'il va refuser. Enfin ici, vous allez pouvoir enfin déjeuner. Peu importe ce que vous choisissez de manger en premier, ça n'a aucune importance. De toute façon, vous allez finir par manger les trois éléments. Alors, ici, si vous prenez la première option, Otto s'en souviendra et vous pourrez l'utiliser un peu plus tard quand il faudra
déterrer une tombe si vous n'obtenez pas l'accord de Guernot. Si vous choisissez ça, évidemment, Otto va s'en souvenir, pardon, et ne va pas forcément vous donner un coup de main. Par contre, si vous obtenez l'autorisation de Guernot de profaner la tombe, eh ben, ce n'est pas grave. Donc, on va quand même essayer d'être sympa avec tout le monde. Ici, on va du coup se rendre directement au scriptorium. Si vous n'avez pas pu obtenir l'argent de la part de Mathieu, eh bien, vous pouvez toujours tenter ici. Nous, comme c'est fait, eh bien, on va pouvoir directement travailler. Parler avec ses battes. Et rendez-vous donc si j'y parviens. Alors, Ulberg. Donc, une fois parlé avec Sebat, vous pouvez vous rendre dans l'église. Et dans l'église, le vieux Bailey. Belay, je sais pas comment on le prononce.
Ici, ne dites rien, très important, afin d'avoir le baron dans votre poche. Alors, nous allons dîner avec l'abbé. Passer par l'église. Le cloître. Au lavatorium. Alors ici, il n'y a point de fleurs, comme vous le voyez. Donc, nous allons descendre. Et au cloître, nous allons pouvoir manger au niveau du réfectoire. Alors, ici, ça va être très important, puisque... vous avez la possibilité de terminer l'acte 1 de deux manières, dans les bonnes grâces de l'abbé ou son contraire. Puisque comme je vous ai dit auparavant, vous êtes dans l'obligation de faire deux sessions de gaming, puisque vous ne pouvez pas faire les choses en même temps, même en coupant à temps votre partie pour tenter de recharger une ancienne sauvegarde. Donc, dans cette première run, on va être... très agréable avec l'abbé. Par contre, du coup, malheureusement, on va se mettre un peu à dos le baron, puisque nous n'allons prendre pas du tout parti de la conversation au sujet de Martin Luther. Pierrot, l'abbé aime bien manger dans le silence, donc on va hocher. Thank you.
Alors ici, gardez le silence. Alors ici, vous n'avez d'autre choix malheureusement que d'aller dormir, puisque tout est fermé.
Ensuite, vous pouvez vous rendre au centre-ville si vous souhaitez et caresser un deuxième animal. Schlau. Vous pouvez également aller, dans le village du Nord afin d'humer encore une autre fleur. Nous allons pouvoir nous coucher et avant cela déposer l'argent sur la table. Passez bien le bonjour de Otto. Parlez à Endris. Le fait de parler avec lui vous donnera les prémices d'un prochain succès où il faudra le convaincre d'aller rejoindre sa bien-aimée. Passez par le centre-ville et arrêtez-vous chez Ulrich. Ici, très important, choisissez Ditalina que je prierai pour sa santé. Caressez Schlau si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure.
Arrêtez-vous près de Thomas. Ici, quand je vous avais dit l'importance d'être sympathique avec Martin, c'est parce que vous allez pouvoir réussir ce dialogue. Et il faut savoir qu'il y a un succès en lien avec le fait d'avoir convaincu 5 personnes par le dialogue. La première personne étant Illuminata. Parler à Miklaus. Ici, comme nous n'avons pas pris part au débat, eh bien, malheureusement, et puis en plus de ça, on a fait un signe de tête. De toute manière, même si nous avions choisi « Bonjour le monsieur le baron », nous n'aurions pas gagné les faveurs du baron puisqu'on n'a pas débattu avec Lorenz au dîner. Et donc, puisque nous n'avons pas réussi ce dialogue-là, eh bien, Miklaus ne nous donnera pas un petit insigne, mais c'est pas grave. Quand vous voudrez énerver l'abbé et finir en très mauvais termes avec lui, à ce moment-là, débattez avec Lorenz sur Martin Luther au dîner et vous gagnerez les faveurs du baron. Si vous n'avez pas obtenu le succès en lien avec la bibliothèque découverte, rendez-vous dans la crypte tout au fond à droite et cliquez sur le dernier portrait puis sur la clé. Nous allons nous rendre directement au scriptorium. Thank you.
Alors, on va se rendre du coup. Passer par l'église. Dans l'église, le cloître. Et la salle capitulaire. Comme dit auparavant, puisque nous voulons finir en très bon terme l'acte 1 avec l'abbé, ici, ne dites rien. Et ici, cette option-là. Alors, comme vous le voyez dans l'option avec le menu principal, vous voyez qu'il vous reste 2 jours et 2 heures avant la venue de l'archidiacre pour son procès. Donc il nous reste très peu de temps pour essayer d'en apprendre davantage sur tous les accusés susceptibles d'avoir commis ce crime. Alors, comme je vous ai dit, vous allez faire 2 runs, donc notre temps est assez limité. Vous avez d'une part la possibilité de faire l'autopsie et d'autres non. Pour ma part, je ne vais pas faire l'autopsie pour la simple et bonne raison que, de une, la finalité va être la même, à savoir découvrir un morceau de papier sur le corps du baron. Et d'autre part, il y a un succès en lien avec le fait de casser le nez au médecin qui va venir nous rendre visite, mais je n'ai pas choisi la compétence, on va dire, batailleur, bagarreur, etc., etc. Donc, cela va m'apporter peu au final. Dans ma deuxième run, par contre, évidemment, je vais assister à l'autopsie en ayant choisi
cette compétence-là de bagarreur et donc avoir ce succès-là. Mais ici, comme encore une fois, au final, le temps est limité, je vais vraiment me consacrer sur les quatre suspects, vous le verrez. Nous en avons quatre. Nous avons notamment le tailleur de pierre et la veuve, et ainsi que le responsable du scriptorium. Je vous cacherai la quatrième, mais je pense que vous l'avez découvert, c'est en lien avec une des nonnes. J'en dirai pas plus, pour pas vous spoiler. Bref, nous allons, dans cette deuxième partie de vidéo, plutôt nous concentrer sur des actes essentiels, sur des enquêtes essentielles qui vont nous permettre de débloquer des succès en lien avec l'enquête, mais également en lien avec l'interrogatoire de l'archidiacre. Donc on va vraiment avoir des actions bien spécifiques. C'est pas nécessaire de résoudre l'enquête dans sa globalité, à savoir quel était le mobile et quelle était l'arme du crime. Alors ça va apporter un plus effectivement dans l'audition de l'archidiacre, mais si vous voulez débloquer simplement le succès en lien avec la possibilité d'accuser 5, en fait il y a 5, dont un dont je vais taire le nom, mais il y a 5 potentielles personnes susceptibles d'avoir commis ce crime, eh bien voilà, vous n'êtes pas dans l'obligation de résoudre cette enquête dans sa totalité. Voilà, en tout cas, nous, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce sur la vidéo, un pouce en l'air évidemment, à me rejoindre sur Twitch, sur Twitter, qui sait, peut-être un jour Facebook m'ouvrira ses bras, peu importe. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Andreas. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.